Et avec les fêtes qui approchent, vous retrouverez peut-être du champagne sur votre table. Dans la Marne, la verrerie de Wary fabrique plus de 180 millions de bouteilles par an. Et en ce moment, pour quelques jours encore, une ligne de grands contenants est relancée. Salmanazar, Balthazar et Nabucodonosor. Elle est la seule usine d'Europe à posséder ce savoir-faire. Émilie Forzi, Raphaël Doumergue. Cette goutte de verre en fusion va devenir roi de Babylone. Nabucodonosor, 11,5 kg de verre. La production des grands contenants de champagne est exceptionnelle. La fonderie de Wary est la seule en Europe à proposer leur fabrication. Une production supplémentaire, très artisanale. Chaque bouteille est contrôlée manuellement. Nous devons former des gens au bout chaud et au bout froid pour participer à la fabrication de ces bouteilles et donc pouvoir les sortir des autres lignes. Et donc ça demande une organisation en amont par les ressources humaines, mais aussi du point de vue maintenance pour préparer cette ligne qui ne tourne qu'un mois par an. 4 jours sont nécessaires pour ajuster les réglages à chaque changement de format. Un travail exigeant pour une production réduite. Seulement 8500 grands volumes sortent de l'usine sur les 180 millions de bouteilles par an. Pour le marché champenois, en effet, nous avons une demande et elle est très spéciale. Attendue, nos clients viennent régulièrement en visite aussi, voir cette ligne tournée. Le Nabucodonosor, 20 litres de champagne, est plus souvent destiné à la décoration. De plus petits grands formats sont préférés pour le vieillissement du vin, comme par exemple le Jéroboam. Il confère plus de subtilité aux arômes. Il y a un échange gazeux qui est beaucoup plus lent. Donc en général, des temps de vieillissement aussi un peu plus longs pour amener de la complexité, tout en douceur, en évitant de heurter la bulle et le champagne. Messieurs, bonjour. Le Baron de Rothschild, en brut. Un flacon qui fait son effet, au goût et à l'œil. Cette table rémoise en a fait sa spécialité. Une quarantaine de Jéroboam sont consommés tous les mois.